Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va améliorer la maison parce qu'elle paye pas vraiment de mine. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Et on verra à quoi elle ressemble en fin de vidéo. Alors là, pour l'instant, j'ai plus d'équipement parce qu'il y a eu un petit clear. Le problème, il est pas encore réglé. Normalement, je pourrais le récupérer après. Mais bon, on va commencer. On va s'équiper de ce qu'on avait avant. Puis on va commencer à buter la maison. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'on n'a plus assez de bois, donc je pense qu'on va partir en exploration pour en trouver un peu. Donc on se retrouve quand c'est fait. Bon, du coup, là, j'ai trouvé un bois qui ressemble un peu au bois de chêne noir, sauf que les bois de chêne noir, il y en a pas aux alentours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un peu, on va récupérer des pousses et on rentre. Bon, du coup, on a un peu de bois, on va build avec, hein. On va faire ce qu'on peut. Je vous promets rien d'incroyable, hein. J'espère que ça sera beau, mais bon. Je vous laisse avec un petit timelapse. Bon, du coup, petite pause sur le build car on a fini le toit et les deux étages. Donc on va aller farmer un peu dans le nether. Pour l'objectif de like que j'avais laissé sur la dernière vidéo, un like est égal à un ancien débris. Donc on se retrouve quand c'est fait. Bon, du coup, c'est fini. Le minage est fait. Donc, on va pouvoir continuer le build. On a eu 16 anciens débris. Et j'ai tué deux ghasts qui m'ont laissé leurs larmes. Donc, on approche de l'objectif. Hein. On va poser tout ça dans un coffre. Et on continue le build.
Bon, maintenant que on a tout fini de construire, on va faire un petit tour de la maison. Franchement, en vrai, je la trouve bien. J'ai fait tout ce que je pouvais. Si vous avez des conseils pour l'améliorer, n'hésitez pas à me les dire. Donc, franchement, allez, c'est simple, hein. C'est pas un truc incroyable, mais bon. Moi, ça me va. Hein. Donc. Là, la porte, en fait, c'est des solides airblocks. En gros, il n'y a que moi qui peux passer à travers. Les mobs, ils peuvent pas. Donc, j'ai enlevé tous les coffres. J'ai tout déménagé. Là, la bibliothèque. Du coup, j'ai rajouté plein de nouvelles bibliothèques. Là, les modées, pour qu'elles soient meilleures. Après, on peut monter à l'étage grâce aux élévators. C'est un truc que le mod y rajoute. Donc là, c'est le deuxième étage. Là, j'ai mis des armoires tendres pour décorer, parce que je sais pas encore ce que je vais mettre. Et là, c'est la salle des coffres. J'ai tout rangé, donc j'espère que ça va le rester, hein. Et après, il y a le grenier. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans. Bon, on se retrouve dans les heures, car il y a un nouveau mode sur le modded. C'est les Blockling. Donc on va en adopter quelques-uns. Et c'était surtout pour vous dire que la prochaine vidéo sortira dimanche. Normalement ce sera sur de la Twilight Forest ou Britannia. On verra. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à plus.